Alexis, aujourd'hui, vous avez eu une seconde rencontre de préparation disputée et ça fait du bien, la victoire est au bout. Ouais, ça fait du bien, là. Deuxième match de préparation après Rodez où on chope la victoire in extremis. Voilà. Aujourd'hui, avec un peu plus de largeur au score, mais bon, c'était un match compliqué, rude, c'était un derby avant tout, c'était pas un match amical, comme on l'a dit, un match de préparation. Donc voilà, une équipe bagnéraise avec beaucoup d'anciens tarbés, plein de mecs qu'on connaît, donc ça fait toujours quelque chose de jouer contre eux. Et non, voilà, une belle rencontre, on s'y est filé, ils se sont pas échappés vraiment, on s'attendait à beaucoup de combats sur les phases statiques et dans le jeu, et on a été présents, et eux aussi. Du combat, il y en a eu beaucoup, comme tu as dit, et c'est en seconde période que vous avez pris l'ascendant, puisqu'ils menaient à la mi-temps. Ouais. Ouais, bon après voilà, c'était leur premier match de préparation, nous le second, donc on a dit il y a un moment peut-être physiquement ils vont craquer, c'est là qu'il va falloir jouer dans tous les sens et c'est ce qu'on a essayé de faire, voilà, déplacer le ballon, mettre du rythme, imposer notre jeu et c'est ce qu'on a fait en seconde période et ce qui nous a fait avoir cette victoire. Donc c'est de bon augure pour l'avenir. Ouais, c'est de bon augure, encore un match là contre Oloron à la maison où il va falloir vraiment concrétiser là-dessus avant d'attaquer le championnat en allant à Strasbourg, quoi. Donc c'est très important.